Bonjour et bienvenue les collecteurs. Aujourd'hui, je vous montre cette pièce de 2 euros à faible tirage. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, les amis, nous voyons 7 magnifiques pièces à faible tirage de 2 euros. En commençant par la pièce de 2 euros slovaque 2021 qui a pour thème le 100e anniversaire de la naissance d'Alexander Dubček. Sur la monnaie, on retrouve le visage d'Alexander Dubček avec à gauche le nom du pays émetteur, Slovensko, Slovaquie, et en dessous l'oreille, on retrouve le nom Alexander Dubček, ainsi que les dates 1921-1992. Alexander Dubček arrive au pouvoir en Tchécoslovaquie le 5 janvier 1968. Son entrée en fonction marque le début du printemps de Prague, qui voit le pays s'éloigner de l'influence politique de l'URSS. Cette période a pris fin avec sa destitution par les forces soviétiques en août, lors de la révolution de velours en 1989. Il meurt en 92 des suites des blessures après un accident de voiture. Cette monnaie a été frappée à 1 million d'exemplaires en UNC et la pièce de 2 euros Slovénie 2018 qui a pour thème la journée mondiale des abeilles. En 2018, la première journée mondiale des abeilles a été célébrée suite à une initiative slovène. En effet, la Slovénie est un pays où l'apiculture est très importante grâce au travail d'Anton Jonsa au XVIIIe siècle, qui a travaillé à la mise en place de l'apiculture moderne. C'est le seul pays européen où on y trouve une espèce indigène d'abeilles. La Slovénie a choisi de commémorer cette journée avec un visuel où la terre est faite de rayons de miel. Le graveur de cette monnaie est Janek Bidjak. La pièce a été frappée à 989 250 exemplaires et la valeur pour une pièce dans un état neuf est de 3,80 euros. La valeur pour une pièce en état fleur de coin est de 3,50 euros. Pièce de 2 euros slovène 2021 qui a pour thème le 200e anniversaire de la fondation du premier musée de Slovénie. Sur la verre, on retrouve un dessin commémorant les 200 ans du musée Carniolia. Avec une légende, le nom du pays émetteur, Slovénie, et le millésime 2021 sont aussi présents au cœur de cette monnaie. On retrouve sur la couronne les 12 étoiles européennes. Le dessinateur de cette monnaie est Lana Samechnik. La pièce de 2 euros Slovénie 2021 a été frappée à 991 000 exemplaires. Et la valeur pour une pièce UNC dans une qualité fleur de coin, une pièce comme celle que je vous présente actuellement, est de 3,20 euros. Pièce de 2 euros commémorative Malte 2019 qui a pour thème l'héritage culturel dans la série Nature et Environnement. La Banque Centrale de Malte poursuit la série Enfants Solidaires. La quatrième pièce de la série est consacrée à la nature et à l'environnement. La pièce a été dessinée par Joshua Stuart, un jeune Maltais. Cette pièce montre un pommier devant un nuage illuminé par le soleil radieux. Le nom du pays émetteur, Malte, et le millésime 2019 sont indiqués à gauche de la pièce. Les trois premières pièces étaient consacrées à l'amour en 2016, la paix en 2017 et le patrimoine culturel en 2018. La série s'est achevée en 2020 avec le thème des Jeux.
la pièce de 2 euros Malte 2019 a été frappée à 300 000 exemplaires en UNC et 20 000 exemplaires en BU. Une pièce UNC dans un état fleur de coin vaut actuellement 4,60 euros. La pièce de 2 euros française 2022 qui vient tout juste de sortir, elle a pour thème le 90e anniversaire de la naissance de Jacques Chirac. À l'occasion des 90 ans de sa naissance, la Monnaie de Paris rend hommage à Jacques Chirac, président de la République française durant deux mandats. Il est un artisan majeur de la construction européenne et également président lors de l'introduction de l'euro en 2002, dont nous fêtons les 20 ans en ces débuts d'année. La face de cette pièce est entourée de plusieurs symboles représentant son action. On a donc un symbole de l'euro, signe de son implication dans l'introduction de l'euro et de son esprit européen, et un drapeau français représenté en couleurs héraldiques bleu, blanc, rouge, lui-même agrémenté du sigle RF pour République française, mettant en avant sa présidence de la République. On retrouve sur la gauche le visage de Jacques Chirac entouré du sigle euro. La pièce de 2022 Jacques Chirac a été frappée à 9 millions d'exemplaires et la valeur pour une pièce dans un état neuf est de 3,10 euros. Pièce de 2 euros commémorative Estonie 2021 qui a pour thème les peuples finnois ou griens. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve la roche d'Onnichre qui elle-même représente le chasseur, le wapiti, l'oiseau aquatique et le soleil. Regardez actuellement, je vous zoome pour voir plus précisément ces détails de la monnaie. Qui, je vous avoue, j'avais pas trouvé aussi ces éléments. Qui symbolise le style de vie des Finnois ou Griens. La forme centrale est un oiseau aquatique et l'inscription Finnois ou Griens caractérise un peuple estonien. Les dessins de la roche de l'UNESCO sont ainsi présentés sur cette pièce. Les dessinateurs de cette monnaie sont Al Baldock et Madis Potsar. La pièce de 2 euros estonienne 2021 a été frappée à 1 million d'exemplaires. Et la valeur pour une pièce dans un état fleur de coin, un état comme je vous présente aujourd'hui, est de 3,40 euros. Pièce du Portugal 2021. Pièce a pour thème les 32e Jeux Olympiques d'été de Tokyo. Sur la monnaie, on retrouve un dessin qui a été fait en l'honneur des Jeux Olympiques qui devaient avoir lieu à Tokyo en 2020 et qui a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Sur la monnaie, on retrouve l'année d'émission 2021, le nom du pays émetteur, Portugal, ainsi que les inscriptions Nos Jogos Olympicos de Tokyo 2020. À gauche du dessin, on retrouve le nom de l'hôtel des monnaies portugais, Casa de la Moeda, et le nom du graveur, Francisco Providencia. Cette pièce de 2 euros portugaise a été frappé à 500 000 exemplaires en UNC, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et la valeur pour une pièce dans un état fleur de coin, une pièce comme je suis en train de vous présenter, est de 3,90 euros. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.